rangeait son pantalon dans l'armoire. Et puis tous les soirs, il nous demande « Mais qui a de nouveau changé les toilettes de place ?» Mais il va bien. Le mien, il est capable de rester assis devant son poste de télé toute l'après-midi. Et le soir, il l'allume. Alors que sa mère, c'est ma grand-mère, que ma mère, c'est sa femme. Et non pas ma grand-mère qui est partie paradis, mon autre grand-mère qui était la mère de ma mère, sa femme à lui. Vous suivez, hein? Et il les envoie tous en Chine, là. Ils pigeront toujours que dalle. Mais au moins, ce sera normal. T'as rien oublié? Mais c'est ton anniversaire aujourd'hui, t'as 50 ans! Bon anniversaire! Merci, maman. Merci. Je ne connais aucun petit lapin de 50 ans. À 50 ans, ce sont tous de vieux civets! Est-ce que votre mère vous appelle encore mon petit lapin? Vous aussi. Elle vous appelle comment, votre mère? Ma... Elle en a fait combien, ma mère? Quand j'avais 20 ans, je courais après des femmes de 35 à 5 ans, je couchais des gamines de 25. C'est quand même pas ma mère qui va me dire si je peux en ensemencer 4 ou 6 par an, puis mettre les autres en jachère. Parce que c'est quand même pas du bétail. Ma femme m'invite au restaurant hier. C'est une fille. Mais enfin, bébé, de quoi vous allez vivre toutes les deux? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, cette Sylvie? Non, mais le bébé, qu'est-ce que je vais faire tout seul? Mais ce que tu as toujours fait, d'ailleurs, c'est ce que tu fais le mieux, t'éclater avec tes bouffières prépubères. Profite-en, je ne suis plus là. Est-ce que vous avez en mémoire une trahison qui vous aurait brisé le cœur? Je l'aide elle-même. Un coup de main, un coup de rein. La chlamydia, c'est la règle pour me sucer tout mon pognon. Il y a 2 semaines, on a fêté les 60 ans de mon beau-frère. Je ne sais pas si vous imaginez, 60 ans! Un gars que j'ai connu quand il en avait 25. Bon, moi, je suis mort, hein. Et le chemin entre la morgue et le crématorium, je vous le fais les yeux fermés et les pieds devant. Il n'y a plus aucun respect, le business est partout. Ben oui, mais il faudrait y penser, hein, parce qu'on n'est pas toujours prévenu. Moi, j'ai choisi, c'est la crémation. C'est un job très minutieux. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre le moindre bourrage d'urne. Sinon, ils vont compter cendre par cendre. Je ne sais pas si vous imaginez le bordel. Et puis quand ils sont bien certains que le bord est refroidi, eh bien, ils crient « À cramer !» Et puis, sans bourre, il n'y a plus de riche. En plus, qui irait bosser? En France, avant, il y avait 200 familles ultra riches. Et même moi, je comprends pas ce que j'ai, mais eux, bien. Mais heureusement que les pauvres ne sont pas riches. Ouh, mais c'est une logique. Mieux, un mode de vie. La foi, comment est-ce possible d'être pauvre aujourd'hui alors qu'il y a des barres de montagne partout? Comment est-ce possible d'être pauvre et gros? Des gens qui courent après le pognon toute la journée. Comment est-ce possible d'être pauvre et femme? Mais elles ont pourtant un cul! Et l'amour chez ces gens-là? Il y avait déjà pensé? Il regarde dans le sac. Et puis elle lui dit, hé gars, tu prends ma chatte pour une tirelire?